Salut les amis, Vapo. Je fais cette vidéo pour vous montrer une petite chose que j'ai trouvée. Enfin, trouvée. J'ai bricolé sur la mèche câble acier. Encore une fois, oui, je sais. Et pour essayer de trouver quelque chose d'efficace et qui puisse venir nourrir vraiment, on va dire, au top du top. Le câble acier, malgré qu'il ait déjà une capillarité exceptionnelle, surtout en 2 mm et en 2,5 mm. Le 1,5 mm, je le trouvais un peu faible en capillarité, certainement dû au fait du calibre, du diamètre du câble. Et je me suis dit que si on l'entourait avec des mèches silica de 1 mm, pas non plus des kilos, hein, mais l'entourer simplement de mèche silica 1 mm et qu'on venait faire un coil en haut, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Donc, j'ai pris ma hop, mèche acier 1,5 mm, d'accord, et j'ai pris des brins de ce qui me restait. Je rappelle au passage que la silica en 1 mm, 2 mm et 3 mm fait son retour très très bientôt sur la boutique. Ne vous inquiétez pas, je suis en rupture, mais c'est parti très très vite. Je pense que beaucoup de gens font beaucoup 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 de montage eux-mêmes, et c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'au final c'est toujours très intéressant de faire ses montages soi-même. Bref. Donc, j'ai pris ma mèche, hop, ici, j'ai pris mes brins ici, et je suis venu mettre au milieu des mèches silica mon câble acier. Voilà, faut faire attention qu'il n'y ait pas du tout un seul morceau qui dépasse. Voilà, comme ceci, vous voyez, il est noyé dedans. Et ensuite, vous prenez votre cantal. Alors moi, personnellement, j'ai pris du cantal 0,20 que j'ai vrillé. Mais là, je ne l'ai pas vrillé pour pas perdre de temps. On va pas faire une vidéo qui va durer 15 plombes. Ça sert à rien. Donc, on prend son cantal. Hop. Alors, faut bien faire attention, hein, comme je vous dis, de pas faire toucher le. Hop, là, je l'ai fait trop haut. Ah, je viens de le faire, ça marche. Alors, il n'y a pas de raison. Mais évidemment, là, devant la vidéo, ça ne veut pas faire. C'est quand même fou, ça. Voilà. Donc, on vient faire son coil autour de ce montage. Voilà. Je fais 5 tours. Ça me semble pas mal. Voilà. Voilà. Ok, donc après vous égalisez bien évidemment les brins, hein, faut que ce soit fait proprement quand même. Voilà, on égalise. Et après vous allez me dire, mais comment il fait pour rentrer tout ce tas de boue? Eh ben je vais vous montrer le RSST. On vient, hop, on humidifie un tout petit peu comment, les brins. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas toxique. Hein. Et on vient rentrer en fait dedans tous les brins, un par un. S'il peut y en avoir de différentes longueurs, donc on les fait rentrer. Voilà. S'il y en a un ou deux qui ne veulent pas rentrer, c'est pas grave. Et là, il y en a un qui n'est pas rentré, c'est pas la mort. Voilà. Donc ça, c'est le début du montage. Ensuite, on vient dévisser le plateau. On dévisse le plateau. Hop. Donc ne faites pas ça, hein, parce que c'est des coups à ce que tout se barre.
Moi, ça va, tout tombe sur quelque chose où ça rebondit pas, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous voyez, hop, c'est passé dans le trou, et on tire les brins au fur et à mesure. Et en même temps, on chope la mèche acier et on vient la descendre tout doucement. On vient la descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, il y en a un petit bout rebelle qui a pas voulu y aller. Et ben celui-là, il n'ira pas du tout. Effectivement, c'est définitif. Puisqu'il veut pas nous écouter, il n'ira pas. On vient fixer, hop, pardon, notre pôle négatif tout de suite. Donc là, en l'occurrence, je suis un peu court. J'aurais dû prendre un petit peu plus de marge pour faire mon pôle négatif. Moi qui d'habitude prends du Cantal des kilomètres, là évidemment j'ai tout pris minime. Ouais, bref. Donc, voyez ce que ça donne. Donc, les brins là, du coup, ils vont aller dans la cuve. Ils vont venir se mettre un petit peu partout et forcément récupérer le liquide partout dans la cuve. Il n'y aura pas besoin forcément de pencher ou quoi que ce soit. Et par capillarité, le liquide va remonter et va venir en même occasion nourrir la mèche. Ce qui fait que non seulement il y aura un nourrissage par le biais du liquide dans la cuve, et aussi un nourrissage constant par le fait du liquide qui reste dans la mèche acier. Donc, on vient juste positionner tout doucement et en tournant de façon à ce que les mèches viennent bien épouser l'ensemble. Voilà. Il suffit juste de choper le pas de vis après, hein. Ça c'est une autre histoire. Des fois c'est plus compliqué. Voilà. Voilà, vous tournez tout doucement. Vous serrez. Pas comme une brute, hein, je le dis souvent, mais ça sert à rien de serrer comme un âne. Ça ne fera pas avancer le chemin, le blic, blic, blic. Pas oublier, si jamais ça vous arrive aussi, de remettre le joint du pôle central. Sinon, le montage va pas être terrible. Donc, on remet la vis centrale. On visse. Évitez de visser avec les doigts, de préférence. Voilà. Et ensuite, après, bah, vous mettez votre positif sur la vis, entre la vis et la rondelle, bien évidemment. Voilà, le montage est fait. D'accord? On va passer sur un montage, parce que là, je ne vais pas mettre du liquide dans celui-ci. Il est tout neuf, c'était juste pour vous faire voir le montage. Point. C'est tout. Voilà. Le voici, le montage fini. Voyez? Donc là, il est gorgé de liquide. À l'intérieur, on voit mal parce que c'est vrai que le tank est pas très transparent. Mais on voit bien les mèches qui baignent dans le liquide. Et du coup, on a toujours une alimentation totale. Ça vient boucher un petit peu le trou de passage de la mèche. Je vous l'accorde. Donc il y a une possibilité qui est de ne pas mettre le bouchon. Du réservoir, le bouchon silicone qu'on enlève pour faire le plein, on n'est pas obligé de le mettre, et ce qui donne un flux d'air complémentaire. Ça, c'est un petit inconvénient par rapport au montage qui a beaucoup de qualité, on va dire. Et puis, bah, quand on enclenche, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai fait la mesure de cette résistance, donc puisque je vous rappelle que la mienne est vrillée, j'ai une résistance à 0,8. Donc pour du mode mécanique, c'est parfait. Donc vous voyez, hein, il y a une production de vapeur qui est constante. Voilà. Si on arrête, évidemment, si on laisse appuyer tout le temps, le liquide n'a pas non plus le temps de remonter suffisamment vite.
Mais par contre, si on arrête et qu'on attend, ne serait-ce que le temps que je suis en train de vous parler là, 5-6 secondes, eh ben le liquide est déjà remonté et on peut réenclencher tout de suite. Voilà. Je vais vous montrer le volume de vapeur en vapant quand même dessus, parce que c'est ça le but, hein, l'intérêt est quand même de savoir si on a un volume de vapeur suffisant. Donc c'est ce qu'on va voir. Une production de vapeur donc qui est parfaite. Et là, éventuellement, évidemment, pas éventuellement, c'est évidemment une restitution de goût, de goût des arômes, de saveur, de tout ce que vous voulez, qui est parfaite. Et en plus, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai la sensation que la vapeur est vraiment très chaude, mais quand même agréable. Moi qui n'aime pas du tout la vapeur chaude, là, je la trouve vraiment agréable. Elle n'est pas agressive dans la gorge. Elle n'est pas insupportable. Elle donne un bon goût. Et bah, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Voilà, donc c'est une technique comme une autre qui peut s'avérer être sympathique au niveau du montage pour la mèche. Et je précise, pour la mèche 1,5 seulement. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'atomiseur qui puisse accepter une mèche acier de 2,5 mm de diamètre plus tout ce qui va dessus. Voilà, c'était simplement pour vous parler de cette petite chose qui peut être intéressante pour les personnes qui sont toujours à la recherche de nouvelles façons de faire ce montage avec cette technique Genesis câble acier. Moi le premier, donc dès que je peux trouver quelque chose, je vous l'apporte et je vous le remets en vidéo et je vous laisse profiter. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!